Bonsoir tout le monde, c'est Pandou, blablabla, on s'en bat les couilles. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur Fallout New Vegas. Alors, on est loin du micro de la bouche. Rappelez-vous la dernière fois, on était... On était monté là-haut et il nous expliquait qu'il fallait de l'aide apparemment. Ou un truc dans ce... un délire comme ça, voilà, vous comprenez. Il fallait de l'aide et apparemment ils y arrivaient pas, enfin mon personnage était en moitié con, il a pas réussi à le faire tout seul. Donc on va retourner voir le scientifique et voir s'il sait comment faire, même si apparemment c'est un beau charlatan. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Je transpire comme un gros porc du cul mais c'est une catastrophe et j'ai mon café, voilà, c'est très intéressant. Et puis voilà, on va y aller alors. Puis c'est tout, j'ai rien d'autre à dire, voilà, c'est une vidéo détente. C'est comme d'habitude, me direz-vous, à chaque fois que je fais des vidéos détente. Alors le problème, c'est que j'ai toujours pas réussi à régler le problème avec Fraps. Vous savez, Fraps qui malheureusement, je sais pas ce qu'il est en train de me faire, Fraps, depuis ces derniers temps. Il saccade énormément, notamment au niveau de... des chutes, il y a des petites chutes de FPS. Alors j'ai vidé mon disque dur quand même, je suis il y a la moitié, j'ai du 400 Go de disque dur pour du 1 Tera, donc... il me reste 400 Go de place, donc c'est quand même plutôt correct. Et j'y arrive pas, donc bon. Alors. On voit rarement de nouvelles têtes ici. Vous êtes soldat ou scientifique ? Je suis les deux. Ouais, je me balade. Je vois. Dans ce cas, vous devez avoir une bonne raison d'être ici pour qu'on vous ait donné l'autorisation de passer. Bah bien sûr, j'ai l'autorisation d'aller partout. Tu parles à qui là ? Alors. Il est central, pas vraiment, j'aboutis ici par hasard. Hop. Intéressant. Pardonnez ma curiosité, mais faites-vous partie d'un groupe en particulier ? Attends, t'en poses des questions. On est chez vous. Vas-y, ça. Très bien. Je fais partie des disciples de l'Apocalypse. Ah, ça, si ça donne envie. Vous ne connaissez pas, nous recherchons la paix et la propagation du savoir. Le savoir est indispensable à notre monde. Non. À vous maintenant. Je n'obéis qu'à moi. Ah, ça c'est alors bien ça. J'espère pour nous tous que votre chef a un minimum de dignité. Est-il parti des fauteurs de guerre ou des faiseurs de paix ? Ah, c'est pourtant inévitable. On peut que retarder l'échéance. Oh, t'en poses des questions, t'es... Tenez, en ce moment même, vous êtes dans une installation abritant des technologies perdues. Pour certaines, extrêmement dangereuses. Ah ouais ? Si vous ne partez pas sur le champ, vos actions pèseront sur la vie d'un grand nombre de gens que vous ne connaissez même pas. Ah, c'est passionnant. T'es Ignacio Rivas, t'es quelqu'un d'hyper intéressant quand même. Franchement, t'es hyper intéressant. T'es tellement intéressant que j'ai même pas envie de te parler, tu sais quoi. Allez, hop, je me casse. Ouais, va crever. On va aller parler avec l'autre TB, voilà, salut. Yo, Nego. Ah, attendez, parce que le truc c'est que je me rappelle plus très bien. Je crois qu'il faut une... il faut que je monte de level pour pouvoir ensuite monter au niveau de ma réparation. Puisque il me semble, si mes souvenirs sont bons, que j'ai pas du tout réparé les panneaux solaires brisés et trouvé la pièce de rechange pour les panneaux solaires. Alors, je sais plus du tout ce que c'est comme pièce de rechange, c'est génial. On va retourner voir ça tout simplement. Alors c'est une vidéo qui va durer un peu de temps. Hein, du fait que j'ai envie de la faire durer un peu de temps. Et puis voilà, tout simplement, voilà, hein, on va pas se prendre la tête. Alors par contre, je voudrais juste qu'on parle de quelque chose. J'ai des personnes qui arrivent pas, qui rigolent pas à mes blagues. Alors, en soi, ça me dérange pas plus que ça, hein. Chacun a son humour, certains apprécient mon humour, d'autres non. Mais sachez quelque chose, c'est que je m'en fous en fait. Enfin voilà, j'ai des gens qui viennent me dire « Ah, Genesis, c'est un humour de merde, arrête de faire tes références !» Par exemple, la vidéo là, du jeu japonais, là. Un mec qui m'a marqué « Le jeu n'est pas coréen, mais il est japonais. » Et bon, pour moi, japonais, coréen, c'est pareil, c'est pareil, ça bouffe du chat, c'est... Enfin, c'est mon point de vue, c'est pour moi, bon, la culture est différente, mais ça reste à peu près le même personnage. Et un mec qui m'a fait « Arrête tes références, ferme ta gueule, machin. » Écoute, mon pote, moi, je te chie dans la bouche, et je t'encule sérieux, voilà. Je m'en bats les couilles de savoir que je m'en fous de tes références à toi, moi. Je t'emmerde, voilà. Si t'aimes pas mes références, bah écoute, va niquer ta race et dégage, bah, écoute. Ah ouais, bah merde alors. Mais merde. Bon sang de bois. Bon. Donc voilà,
Ceux qui n'apprécient pas mon humour et qui restent, bah pour moi ce sont des gros débiles. Si t'apprécies pas une personne, tu restes pas à côté d'elle. Hein. C'est, je sais pas, c'est ce qui me fait marrer sur YouTube, c'est que les gens se crachent les uns des autres. Pourquoi les gens qui s'aiment pas entre eux bah, se sentent quand même obligés de parler d'eux? Enfin, je sais pas, moi il y a quelqu'un que j'aime pas, je vais pas rester avec lui, je vais pas parler de lui, je vais me barrer et puis je vais aller dans mon coin. Mais bon, apparemment non, les gens sont trop bien éduqués et restent à côté, à t'insulter. Genre, ah, Genesis, ce que tu fais, c'est nul. Bah écoute, bah dégage. Non, je resterai. Bah écoute, je m'en bats les couilles, ton avis. Tu peux pas dire ça. Enfin bon, moi ça me fait marrer, c'est. Ouais, c'est des débiles. C'est tout ce qu'il y a à dire. Les gens, ils sont là, ils t'insultent. Ils t'insultent, bah écoute, bah va te faire enculer, pars si tu veux, je te retiens pas. Non, je peux pas. Arrête, dis pas. Non, je veux pas partir. Je suis tellement bien de te critiquer. Bah écoute. Tant mieux pour toi. Enfin bon. Il faut juste que j'arrive à trouver. Ah, sympa. Ah, c'est quoi ce machin? Ah, parlons à Tipon. Ah, mais j'ai pas ce qu'il faut, putain. Mon personnage, c'est un soldat, putain. C'est pas. Je sais pas ce que. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, moyen. Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, on s'en fout. Ah, ouais, c'est comme j'ai Twitter d'ailleurs. Mais ça aussi, on s'en bat les couilles en fait. Un tuteur, mais on s'en fout. Alors attendez. Réparation 35 plus un morceau de métal. Bon, c'est nickel. Réparation 35, alors attendez. Stat. Il faut que je monte de level pour pouvoir réparer. Ou j'allais voir une personne, mais apparemment personne ne sait réparer, c'est génial. Je crois que le son est trop fort. Voilà, bon, ça devrait aller, je pense. Et donc voilà, c'est même pas un coup de gueule, je sais même pas comment on peut appeler ça. Moi, vous savez, les gens, j'ai reçu des menaces de mort, pour vous dire. J'ai reçu des mecs qui me... Genre, ouais, c'est Lyon, t'habites à Montpellier, moi aussi. Viens à la place de la comédie, je te plante. Mais écoute, alors bon, moi, vous savez, hein, les gens, ils ont de grandes gueules souvent derrière l'ordinateur, ils sont tout... Tout grand, tout puissant, bon il s'appelle Jean-Edouard, il touche la paluche devant Totally Spies, mais les gens comme ça, moi vous savez, ça me fait pas vraiment très peur. Hein, ça me fait pas très trop peur. Non. C'est ce genre de personnes, je sais pas, ils se font taper dans la vie de tous les jours à leur école. Ils se font maltraiter par les gitans du collège et ça y est, ils se sentent plus pissés sur internet, ils ont un blast qui. Genre Extreme Sniper 46. Alors c'est un nom que je viens de créer, hein, Extreme Sniper 46. Mais les mecs qui s'appellent comme ça, ils ont des noms chelous. Et les mecs qui se sentent plus pissés, genre, moi je te défonce ta gueule, patard. Bon. Alors le mec, pour en revenir à l'histoire du couteau, hein, le mec il me fait, je vais te planter à la place de la comédie, je lui donnais rendez-vous. Je lui ai dit, ouais, ok, y a pas de problème, je te défonce ta gueule. Alors, je me suis mis au même niveau que lui, hein, je l'ai insulté, ouais, fils de pute, blablabla, moi je te baisse ta rien. Je lui ai dit, ouais, rejoins-moi à la comédie, telle heure, tel jour. Bon, j'y suis pas allé, j'espère pour lui qu'il y allait. Hein. Moi j'y suis pas allé, je perds pas mon temps avec ces gens comme ça. Moi je sais que je sais ce que je vaux, je sais me défendre, je sais. Enfin voilà, bref, j'ai rien à personne, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Les gens n'aiment pas mes vidéos, et bah écoutez, allez vous faire enculer si vous aimez pas. Enfin, j'accepte les gens qui aiment pas mes vidéos, loin de là. Je peux pas dire hey, les gens. Non, j'accepte qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas mes vidéos. Les gens qui viennent me dire hey, ta vidéo c'est de la merde, blabla, sans argumenter, bah écoutez, moi je vous encule, je vous chie dans la bouche, et je vous retourne en deux, voilà. Voilà, voili walou. Allez pleurer sous les joupons de votre mère, ça vous fera sûrement du bien. Et touchez-vous la paluche devant Totally Spies aussi, ça vous fera sûrement du bien. Genre, oh putain, oh Totally Spies, elles sont décollantes. Bon, non, allez hop. On repart sur le jeu, on s'en fout de ce qui se passe en dehors. Donc ouais, aussi j'ai Twitter, mais ça comme je dis, j'ai un Twitter qui me sert pas à grand-chose en fait. Puisque sur mon Twitter, je... Alors la seule chose assez intéressante que j'ai dit, c'est combien je gagnais exactement. Donc c'est 85 USD à peu près, donc c'est 63 euros et quelques. Parce que oui, moi je me cache pas, j'ai pas... Alors mon network m'interdit de le dire, hein. Mon network a marqué « You don't know speak your revenue on YouTube ». Je m'en fous, c'est des Anglais qui comprennent pas ce que je dis, voilà. Donc ouais, j'ai dit combien je gagnais sur YouTube, je le dis de toute façon tous les mois combien je gagne. Et puis voilà, c'est cool. C'est cool Raoul. Par contre je suis bloqué comme d'habitude. On est au même endroit que de merde, de merde, hein. C'est fou ça. Faut juste que je pop de niveau, je monte au moins d'un niveau pour pouvoir bah, monter mes réparations. Ça serait quelque chose de sacrément cool.
Cependant, il me faudrait des steam packs. Alors, est-ce que j'ai des steam packs? À tous les coups, je vais pas en avoir. Steel Boys, Table, Steam Pack. Ouh, si j'en ai 5. C'est pas mal ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va partir. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande de rejoindre la confrérie de l'acier. Alors, je suis pas contre. Seulement, comment faire, je sais pas. Aller voir la confrérie de l'acier. Alors, neutraliser les boomers. Hein, pas. Parce que. Ah, je peux parler à César, mais je veux pas. Sauver les otages. Bon, on va faire ça, ça va me faire, up au niveau. Alors attendez. Hop, on va afficher l'emplacement. Non, bien sûr, ça m'affiche le mauvais truc. Hop. Mine de Tupchipikiyu. Alors ce qu'on va faire, c'est on va pas TP directement, on va aller on va partir de Nelson. Voilà. On va partir de Nelson, on va y aller à pied, ça fera un petit trajet, ça sera pratique. Et puis voilà, par contre le jeu c'est marrant mais ça brille vachement. Alors que pourtant j'ai rien demandé de particulier, alors attendez. Mon arme elle est presque détruite, c'est pas tip top. Non, ça on s'en fout. Attendez. Fusil, d'accord, non. Achète, fusil à plasma. Bon, on va prendre le fusil à plasma. Ouais, ça brille vachement là, c'est vachement chelou ça. Tiens. Ave, fidélité à César. Bah, moi César j'ai pisse au cul mon gars. Ah. Ils sont morts les gens ou pas? Non, ils sont en vie. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je les détache. A savoir que Nelson c'est une sorte de base qui appartient à des... On va essayer de les sauver. Moi je suis un mec comme ça moi. Faire les poches. Non, le détacher. Et comment... Est-ce que tu peux partir? Bah bien sûr, on s'en prend sur moi. Bah hop, pute molosse. Ouais, je sais, on me le dit souvent, je vais le payer. On me le dit souvent, je suis un méchant monsieur aussi. Hop. Tiens, dégage toi. Bon. En fait, je crois que j'ai fait une connerie parce que forcément ma relation avec les mecs de les villes pendées. Ouais, non, non. Je peux pas faire ça parce qu'il faut. Il faut que je reste neutre en fait. Il faut que je reste neutre avec les. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'argent. Hein. Je m'en fous de savoir qui est bien. Moi je suis vraiment le mec, le loup solitaire. Hein. Je cherche pas à rejoindre une confrérie. D'ailleurs la confrérie de l'acier, je veux pas les rejoindre, je veux juste savoir qui ils sont exactement. Même si je sais très bien qui ils sont. Mais non, moi j'ai pas de parti, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis neutre, voilà. Je suis le mec qui pense au fric avant toute chose. Avant toute chose, je pense à l'argent, alors hop. Hop, je vais juste m'en mettre correctement. Je pense à l'argent, le reste je m'en fous, le reste. Que les soldats de la RNC. C'est pareil sur Red Dead Redemption, j'ai le même comportement quand j'y pense, ça fait marrer. Parce que hier donc je jouais à Red Dead Redemption. Et vous savez, quand vous sortez des saloons, souvent vous tombez sur des femmes qui sont agressées par des hommes. Et bien, ce que je fais, c'est je tue le mec, donc la femme me remercie. Mais la femme ensuite je la ligote, je la mène dans le désert et je lui fais les poches. Pour vous montrer mon comportement dans ce style de jeu. Par contre c'est en train de me casser les couilles, donc on va directement se TP à la mine. Donc pour vous dire à quel point j'ai un comportement de pute, c'est que ah oui les otages, oui je m'en rappelle. Bon ta gueule, t'as un micro de merde hein. C'est que en fait je sauve pas moi je laisse les gens crever. Tant qu'il y a de l'argent à se faire hein. Moi, ça me suffit. Alors, attendez. Je sais pas où je vais. Je sais pas la touche, ce que c'est pour les... Alors, on va essayer de libérer les otages. Tâches qui sont... Le problème, c'est que si je les libère, à tous les coups, je vais me faire attaquer.
Non, bah, vous savez quoi? On va les libérer parce qu'à mon avis, il y a sûrement des. J'ai l'impression que. Ils sont plus riches. Hein. C'est mon avis, j'ai l'impression que les soldats de la RNC sont beaucoup plus riches. Donc on va les tuer eux. Ils ont vraiment des. Le son dans le jeu est vraiment tellement mal fait au niveau des mecs comme ça que. Ça en est vraiment chiant en fait. Je suis en train de me faire couper en deux. J'arrive pas à le tuer. Putain, j'arrive pas à le tuer cet enculé. Putain, c'est un calvaire. Je suis en train de me faire viol en plus. Je dois avoir un fusil, je pense. C'est juste que là, je suis en train de galérer. Alors en plus de ça, vous ne devez pas voir énormément. Je suis désolé. Voilà. Putain, mais c'est pas vrai, j'arrive même pas à les tuer les mecs. Attends, ta gueule Scooby-Doo. Même là, j'ai pas réussi à le tuer quoi. Ouais, même sur PC, la visée elle est... Putain, mais c'est pas vrai, c'est vraiment un calvaire. Hein. Le chien il meurt. Mais putain, mais tu prends pas tes balles toi? Ah voilà. Ah voilà. C'est vraiment un calvaire pour viser ce jeu, c'est... Ah tu t'en vas toi? Non, tu t'en vas pas toi. Toi aussi. Bon, on va les sauver. Enfin du moins, on va essayer de les sauver. Ah putain. J'ai combien de croches? J'ai que 18 crochets en plus, j'en ai pas énormément. Genre je peux pas te libérer. C'est quoi ce délire? Je peux pas les libérer les mecs? Y'a une blague, c'est pas... Non mais c'est... Putain mais... Vilipendé, je m'en fous de la de savoir si je suis un vilipendé ou... Ou si... Piment rare la peine, oh. Ça va faire plaisir à Raoul ça. Raoul qui je sais pas ce qu'il fout. Il est toujours parti, il reviendra quand bon lui semble. Je peux te parler à toi ou pas? Le détacher. La Légion va payer pour ça. Ah je sais. Ouais. 5. Hop. Ouais, voilà. Alors j'ai sauvé lui, mais apparemment lui, je peux pas le sauver. Ouais. Puis même son pote le laisse crever lui. Okay. Qu'est-ce que t'as fait de mal toi? Ah bah voilà. Quel merdier. Par contre, un merci, c'est trop dur à dire apparemment. Armure d'explorateur de la Légion, non ça je m'en fous. Rendre compte au soldat Reynolds. Bon, on va aller voir le soldat Reynolds. Mais à mon avis, je vais avoir de la visite. De la visite. Alors par contre, c'est vrai que c'est catastrophique parce que Fraps, au final, je regrette de l'avoir acheté. Parce que oui, Fraps, c'est un logiciel que j'ai acheté. Je ne l'ai pas craqué comme Photoshop, Sony Vegas, Cinema 4D. Comme plein de logiciels, quoi. Mais je l'avais acheté parce qu'à l'époque, à l'époque j'étais petit, hein, ça fait longtemps que j'ai Fraps, ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai Fraps. Enfin j'étais petit, non j'étais pas non plus petit petit, j'avais quoi, il y a 3 ans. Alors, 19, 18, 17, ouais, j'avais à peu près 16 ans. Ah t'es, vous êtes... Ah bah non. Et oh putain, il y a... Ouh. Alors attends, 7, on va reprendre le pistolet chimique là. Les chiens ils aiment pas le pistolet Ah ça regarde c'te... Ah de la moi cette merde qui part en courant tu sais. Oh putain. C'est vraiment de la merde ce gun. Il est puissant. Ah les deux partent. Il y a juste le chien qui est con. Putain. Je... Voilà. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont barrés les deux là? Ça va être dur. Ça va être dur dur. Regardez-moi ça, j'arrive même pas à l'affûter le mec. Mais en plus de ça, je vois strictement rien. Voilà, au moins j'en ai eu un, c'est bien.
Voilà, je suis sûr de faire mouche, hein, les trois côtés. Les trois collés côte à côte, là, si je fais pas mouche, c'est qu'il y a une joke. Ok, bon, steampack. Et par contre, pour en venir à un sujet, je suis super, mais super impressionné de voir le nombre de filles qu'il y a d'abonnés à ma chaîne. Je suis... franchement, je m'a... Attendez, hop. Je suis en train de me faire couper. J'ai pas un coup de poing magique là, ou un truc qui fait très très mal. Je sais pas, il est où mon truc qui fait hyper mal là? J'ai pas un fusil qui fait vraiment plus que mal. On est fou. Tiens, tu me fais chier toi. Tiens. Moi je vous coupe moi je suis un mec comme ça, moi je coupe les gens moi. Ouais, reviens ici. Regarde comme il se barre comme une merde. Qu'est-ce que tu me fais toi? Tu t'échappes pas. Et l'autre je vois rien. Je vois absolument rien. On vient là. Putain mais ça. Hop, voilà. Voilà, je vous ai tous coupé moi. Anti-venin, c'est bien. Des munitions, c'est bien. Clé de stockage de tchac, c'est bien. La machette, bon, on la reprend. Ça, je m'en fous. Pot de guide de... Voilà. C'est nickel. Le problème, c'est que je vois absolument rien. Comment on met la torche, je sais absolument pas. Je dirais que c'est elle. Non. Ah, bah voilà. On voit un petit peu là déjà. Alors je vous rassure, hein, si c'est sombre pour vous, c'est également très sombre pour moi. Hein, c'est... J'ai également énormément de mal à voir. Porte vers l'état. Non, apparemment j'ai pris des clés. La clé vers un stockage, une zone de stockage. Et on va voir ce que c'est. Et donc ouais, je suis vachement étonné de voir le nombre de filles qu'il y a d'abonnés à ma chaîne. Tout simplement parce que, vous savez, il y a énormément de temps, donc j'avais déjà des feuilles. Des feuilles, voilà mesdames, je vous appelle les feuilles. Il y avait des filles qui étaient abonnées à ma chaîne, et elles se faisaient un peu discrètes. Hein. Elles étaient un peu discrètes dans le sens où elles parlaient pas énormément, sauf par message privé, où elles sont d'ailleurs très actives. Hein. Et bah là, franchement, je sais pas, elles sont en train de prendre le pouvoir. Voilà, elles prennent le dessus, elles sont hyper actives, hyper présentes, et moi ça me fait extrêmement plaisir. J'aime bien avoir de la diversité comme ça. Resterait plus que les retraités qui regardent mes vidéos, et là ce serait le bonheur. Oula, attends, on va prendre des soins. Et donc voilà, donc mesdames, bah écoutez, bah, je vous fais plein de poutous, voilà. Hop. Mais je sais que Skyrim, c'est pas Skyrim. Fallout, c'est pas la série qui plaît le plus, donc c'est peut-être pas celle où le plus de filles verront. Mais étonnamment, c'est les jeux d'horreur qu'elles préfèrent, les filles. Enfin, abonnées à ma chaîne, elles aiment bien tout ce qui est Dead Island. Alors Dead Island, je vous accorde, c'est pas un jeu d'horreur, d'accord. On est d'accord, mais elles aiment beaucoup tout ce qui est genre... Bah jeu gore, Dead Island, j'ai quoi d'autre jeu gore que j'ai sur ma chaîne? Merde, j'ai que Dead Island je crois. Bon enfin bon, voilà quoi, tout simplement. C'est juste en train de me gaver parce que j'arrive pas à trouver cette salle. Et de toute façon, vu que la vidéo va durer un peu de temps, putain 23 minutes déjà, oh, c'est du viol de durée, ça passe trop vite. Bon, on va sortir parce que j'ai mal au cœur, voilà. J'ai envie de vomir quand je vois toutes ces radiations. Hein. Ah, c'est peut-être là. Oui, c'est là. Nickel. Et qu'est-ce qu'il y a de bien beau ici? Capuchon d'éclaireur, ouais, ouais. Grenade frag, c'est très pratique. Mine, ouais, ouais. Caisse de munitions pour prendre des cartouches. Oh, mais... Caisse de munitions, ouais. Ah, d'accord. Tu les as prises? Non, tu les as pas prises. Moi, je suis con, c'est incroyable. On va prendre... Le radway. Bah encore le radway. Hop. C'est bon. Je prends pas les armures de la Légion parce qu'elles me servent un peu à rien. Je suis très bien avec mon armure de Doom là. Alors je dis armure de Doom parce que pour ceux qui connaissent Doom très très bien, il y a eu des screenshots il y a très très longtemps des. Merde, comment ça s'appelle?
Les draps, les... non, je sais plus. Bref, il y a eu des dessins de la part des développeurs de Doom qui avaient montré des images de l'armure de Doom, hein, de notre héros. Et tout simplement, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que j'ai. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas. Ah, vous êtes encore là, vous? Attendez, hop. Les mecs, vous vous en prenez sur la mauvaise personne. Tiens, tiens. Toi, tu veux plus te défendre, d'accord. Eh, j'étais né avec une machette dans les mains, mon gars. Bah alors? Et comment tu te défends? Vas-y. Tiens, tiens. Là, je te coupe les jambes. Hein? Je te prends ta jambe et je m'en vais avec. Tire la chercher, connard. Bon, allez, on va retourner voir notre... C'est comme il y a aussi des gens qui me demandent d'arrêter d'insulter, mais... Mais je vous emmerde! Hein? Hein? Et qu'est-ce que vous y voulez? Hein? Et c'est comme ça, et ça va pas changer. Et casse-toi, pauvre con. Non, mais sérieux, les gens, arrêtez un peu. Putain, si vous aimez pas mes vidéos, mais barrez-vous! La porte est ouverte, regardez. La grande porte est ouverte. Partez où vous voulez. Alors attendez. Faut que j'aille. On s'en jaille, wesh. Ici? Ensemble de Nélis. Je crois pas que ça soit ici. Il me semble que... Bon, on va continuer un petit peu à pied, puisque ça me montre que c'est vers là-bas. En tout cas, le ciel est sacrément bizarre. Le ciel n'est-il pas bizarre? Je ne sais pas. Prenons un peu de café. Tiens, ah bah voilà, il est là, notre client Joe. Le café, c'est la vie. Soldat Reynolds. Des nouvelles de mes copains? Ouais, tes copains, ils vont bien. J'ai des choses à faire, c'était des otages de la RNC dans la mine. Ils ont dû retourner directement au camp. Je parie qu'ils ne se sont même pas arrêtés pour dire merci. La non. RNC aurait besoin de gens comme vous. Si vous cherchez du travail, passez dans un... Non, mais elle veut une récompense. Non, 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 attends. Oh, je veux une récompense, moi. Bah écoute, tu me la donnes pas, bah moi je te la vole. Voilà. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Écoute, tu me fais chier. Tu m'as donné de l'XP. Moi l'XP j'aime bien, mais je veux avant toute chose de l'argent. Donc, hop. Fusil caravane. Voilà. Je suis désolé, d'habitude je tue pas les gens comme ça pour le plaisir. Mais moi, comme je dis, je fais ça pour avoir de l'argent. Voilà. Bon, alors je m'en fous de savoir que je vais pas être aimé par les vilipendés ou je sais trop quel connard. Mais moi je m'en fous, voilà. Par contre, je vais juste faire un truc, je vais prendre là le capuchon d'éclaireur. Ça fait encore plus genre le mec. Ça fait un peu con, mais au final ça fait Swaggy Doggy quoi. Fait genre ouais, c'est du style. Bon, allez, on va y aller. Et c'est vrai que, bah, je sais pas, il y a plein de gens qui me reprochent plein de trucs. Je suis d'accord, je suis pas un mec parfait, je suis d'accord, j'ai des défauts, je suis d'accord. J'ai même tous les défauts du monde si vous voulez me les donner. Mais je m'en fous, voilà. Il y a des gens qui m'apprécient, il y en a d'autres qui m'apprécient pas. Si je devais à chaque fois faire la part des choses entre les gens qui m'aiment et les gens qui m'aiment pas, je crois qu'on s'en sortirait jamais. Hein. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire, ceux qui ne m'aiment pas, ça sert à rien de perdre votre temps, je vais pas changer pour vous. Moi je suis comme je suis et... Ah merde, ah bah oui, maintenant vous m'aimez pas vous. Je vais pas sucer des bites pour avoir des pouces verts, je suce pas des bites pour être populaire. À partir de là, moi j'ai rien à me reprocher, voilà. Si ce n'est peut-être, c'est vrai, je le reconnais, j'insulte énormément. Mais c'est la vie. C'est la vie. Et la vie est un cactus. Et ouais, ah ouais, c'est ça, ah ouais, ouais. Bon. Alors, juste monter d'XP, mais... Qu'est-ce que vous faites là? C'est... Je sais pas, ils partent. Voilà, ils en ont marre, ils partent. Ils disent, oh, c'est trop pareil. Par contre, je pense que... Je vous fais cette vidéo, on est samedi. XP... Ouais, il me reste 700... Oh là là... Oh là là... je pense... Alors, il risque... La vidéo risque de pas être postée le dimanche.
Pourquoi? Bah tout simplement parce que mon Windows Movie Maker déconne mais de plein pot. Voilà. Il déclone de plein pot, ce qui fait que bah ça m'énerve. Hein, ça m'énerve parce que tout simplement alors oui, je suis pas un de ces youtubeurs et j'ai rien contre, hein, je le précise, qui utilise Sony Vegas. Mais je vous explique pourquoi moi j'utilise pas Sony Vegas. Alors Sony Vegas c'est très bien pour faire vraiment pseudo professionnel, hein, c'est genre attention, j'ai mon introduction, non pas mon introduction. Enfin bref, c'est bien, moi j'ai rien contre. Seulement, pour être sincère, moi je recherche la simplicité. Et Windows Movie Maker, pour moi c'est correct. Ça se fait tout seul, ça pose directement via YouTube parce que c'est en contrat Windows Movie Maker avec YouTube. Et oula, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et donc voilà, tout simplement, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Donc j'utilise, enfin si maintenant j'ai des problèmes, mais... L'an 2G, vas-y je les prends parce que ça doit être kiffant. Mais c'est vrai que j'utilise pas énormément Sony Vegas parce que c'est un coup à niquer son PC. Et là pour tous ceux qui utilisent Sony Vegas, sachez qu'à la base Sony Vegas n'est pas fait pour être utilisé comme on le fait. Sony Vegas c'est utilisé pour les films, c'est fait pour faire des rendus. Et j'avais vu quelque chose d'assez presque flippant, hein, pour un possesseur de PC comme nous. C'est que Sony Vegas c'est utilisé dans des tours qui n'ont pas d'écran. Ils préparent le rendu et ensuite le rendu ils le font sur des unités centrales qui n'ont pas d'écran, qui sont juste là pour transférer, pour compresser le fichier. Mais ce sont des bêtes de PC par contre. Hein. Même mon PC à côté c'est de la rigolade. Hein, c'est... Et donc voilà, si je peux vous donner un conseil, moi j'ai perdu déjà un PC à cause de ça. Mon PC portable j'avais failli perdre. Windows Movie Maker, enfin Sony Vegas avait fait cramer la carte mère. Ne n'utilisez pas Sony Vegas. C'est vraiment un coup à vous faire cramer la carte mère de votre PC et c'est vraiment pas le plus recommandable. Voilà, tout simplement. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe avec eux là-bas? Je sais pas qui c'est. Que puis-je faire pour vous? Ouais. On va lui acheter des Steam Pack. Salope, tu les vends cher. Putain, merde. T'es un peu méchante quand même. C'est pas si vilain. Je vais vous remettre. Très bien, je. Voilà. Ah, ah ouais, ah ouais. En fait, on sait pas ce qu'elle fait, mais elle le fait. Ah ouais, ah, ah, merci. Merci. Ah. Ah. T'as des vues, toi, hein. Ouais, ouais, me regarde pas comme ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, je sais pourquoi t'es avec elle, toi, hein. Tu caches des trucs coquinou, coquinou. En tout cas, vous avez le même bouc de merde, vous deux, hein. C'est peut-être le père et la fille, c'est la fille. Mais alors, ça voudrait dire que le père est consanguin avec la fille. Et la fille est consanguine avec le frère. Vous êtes une famille de consanguins? Mon dieu, vous êtes des consanguins entre vous? Mon dieu, des consanguins. Je vous laisse tranquille, excusez-moi. Excusez-moi. Promis, je vous dérange pas. Des consanguins. Les mecs, il y a des consanguins là-bas. Ah, ils vont faire des trucs. Ils font des... Oh là, ils sont en train de faire des trucs. Ils ont commencé. Je suis un petit peu paumé. Parce qu'il faut que je monte en XP pour continuer la quête, mais le problème c'est que j'arrive pas à monter en XP, donc il faut que je fasse des quêtes. Donc on va faire des quêtes qui rapportent de l'XP, tout simplement. Ce bon vieux soleil, alors rétablir l'alimentation... Oui, je suis d'accord, mais le problème c'est que je ne peux pas, j'ai pas ce qu'il faut. Alors elle veut pas se faire cette quête. Bon. Parle aux disciples de la police. Afin qu'ils acceptent... Voilà, on va faire ça. Ça sera une petite quête sympathique. Hop, et il faut que j'aille... Il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille. On s'en jaille, ouais. On va pas la faire parce qu'il faut que j'aille à un endroit, je sais pas où c'est. Ça, je n'y arrive pas. Trouver jeune cœur. Voilà, on va faire ça, ça sera une quête prout-prout bateau. Voilà. Et on va aller à un endroit où... Crimson Clinique de New Vegas. On va y aller. On va y aller, écoutez. Ah oui, d'ailleurs, avec l'argent de YouTube que je me suis fait, alors je sais pas s'il y a encore des gens qui regardent la vidéo... Là. D'ailleurs, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, alors ça va aller, ouais, ouais. Big up, voilà. À tous ceux qui regardent la vidéo actuellement, là, bah écoutez, dédicace à vous, voilà.
Donc avec l'argent que je viens de gagner sur YouTube, alors le mois dernier je me suis fait 63 euros. Je l'ai dépensé cet argent pour m'acheter des jeux et puis voilà. Hein? Bah oui, j'ai dit que je dépensais mon argent rien que pour des jeux et un truc qui a un rapport avec YouTube. Mais avec la paye du mois prochain de YouTube, donc je pense que ça sera pareil, à peu près une 60aine d'euros, de toute façon je vous le dirai sur mon Twitter combien c'est. C'est pour ça Twitter c'est utile en fait, c'est juste pour dire combien je gagne par mois. Eh bien, tout simplement, oula attendez, ah oui, tout simplement, je compte m'acheter un Elgato. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, bah voilà, j'aimerais bien refaire des vidéos sur PC. Et le truc c'est que, sur Xbox plutôt, et le truc c'est que mon HDPVR, bah, il est mort. Il est mort. Oh la vache, t'es sacrément moche. Et le truc c'est que bah, je voudrais bien en fait faire des vidéos sur Xbox, mais comme mon HDPVR est... C'est pas qu'il est mort, c'est déjà de 1, il y a trop de câbles, ça me casse les couilles. De 2, j'ai une putain de télé, une dernière télé de chez Samsung, tu sais, le truc qui coûte la peau du cul et qui profite des écrans, tu sais, ultra LED, machin, blablabla, avec des noms chinois. Ouais, chinois, coréen, c'est la même merde. L'HDPVR bride à du 720p. Et comme je l'ai dit, tout simplement, bah, il déconne, il plante de temps en temps pour absolument rien du tout. Et donc, bah, je voudrais bien... C'est de l'allemand? D'accord, bon. Et tout simplement, bah, le Elgato permet de filmer en 1080p, ou je sais pas, hein, le Elgato ou une autre connerie, hein, je sais pas du tout, hein, je verrai. Ah, t'es un peu... Bienvenue à la filiale de New Vegas de la Crimson Caravan Company. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Surtout Alice McLife, Opportunity. J'ai une question. Pourquoi vous êtes la seule réveillée dans une chambre où tout le monde dort? Et qu'est-ce que vous faites à regarder les gens qui dorment? Salope, va. Bon, je cherche du travail, j'aimerais en savoir plus sur les caravanes, blablabla. Attendez, mais c'est quoi le rapport de maquette là au juste, putain? C'était un plaisir. Ouais, mais le plaisir était de même. Trouver qui intéresse Jack. Je suis d'accord, mais qui intéresse Jack? Telle est la question. Je pense pas que c'est toi. C'est toi qui intéresse. Vous revoilà. Ouais, je suis là. Vas-y, avec plaisir, tes couilles, ta gueule. Faut juste que je trouve une personne qui porte un prénom. Parce que si elle porte un prénom, forcément, bah, ça sera elle qui intéressera Jack. J'ai entendu dire que les sécuritrons étaient encore pires que... Faites attention aux bêtes sauvages. T'inquiète, poulette. Pointe principale vers Crimson machin. Ah, à ce temps-là, il y a tout le monde qui dort. Ah bah ça me laisse voler. Le temps pour voler. Voilà, hop, je m'en fous, personne n'est là. Oh là là, je suis méchant. Oh, il y a un coffre. Ah, yep. Absinthe. Ouh, ça c'est bien. Hop, hop, hop. Bah oui, comme il n'y a personne dans... Je crois qu'il y a quelqu'un qui était rentré. J'en profite, je vole. Voilà, moi je suis un mec comme ça. Attendez, oh oh, c'est la fin du monde, hein, on fait avec les moyens du bord. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile de vivre dans un monde où les vaches ont trois têtes et les femmes bah, sont pas d'accord pour baiser du premier coup? C'est pas possible. C'est pas possible. On est obligé de faire avec les moyens du bord. Ah ouais, 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 forcément, ouais. L'apocalypse. L'homme est devenu encore plus con qu'il n'est actuellement, hein. L'homme préfère se déchirer entre lui-même, se faire du mal entre hommes, alors qu'il pourrait s'aider. Mais non, non, non. L'homme préfère se faire du mal, eh oui. Mac Lafferty est encore une fois de mauvais poil. Ringo. Jeannette. Vous devriez aller voir Blackwell. Non, non. Je regarde des tas de choses dans mes jumelles. Vous êtes qui pour me demander ça? Et pourquoi? Bah je sais pas, tu ressembles à un lézard. Un beau blond? Je me suis toujours demandé s'il me regardait lui aussi. Il ressemble à quoi de près? C'est vrai? C'est trop mignon. Uh-huh. J'adorerais le rencontrer. Vous croyez que les boomers me laisseraient lui rendre visite à Nellis? Ajuster les vrais coups le plus vite possible.
Ah, vas-y, on va le faire. On va le faire. Vous voulez que je me fasse tuer? Il n'est... Vous avez... Vous avez... Non, 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 excuse-moi, excuse-moi. C'est bon. Non, mais je rigolais quand je disais ça. Elle a pas d'humour, hein. T'es moche, toi. Tiens, Jeannette. Vous devriez aller voir Blake ou elle. Ouais, ouais, ta gueule. Que c'est excitant. Dès que vous en saurez plus. Ouais, t'inquiète. Il va te baiser. Il te baiser, te baiser, te manger, te baiser, te manger. Et te violer, te manger, te couper, te baiser, manger, couper. Voilà. Donc Nélis. 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 Écoute-moi, ça part en couille. Faut que j'aille voir la vieille. Ok, on retourne voir la vieille. Buvons du café. Ah putain. Alors. C'était pas vraiment vers là que je voulais aller. C'était pas vraiment vers là. Tellement la flemme de me faire le chemin qu'on veut se téléporter. Ouais, parce que notre personnage a des dons comme ça, il peut se téléporter. Et surtout, si je veux un Elgato ou un Game Capture HD ou n'importe quelle connerie qui permet d'enregistrer ma télé, c'est parce que, vu que bah, j'ai une télé, avant je vous explique, j'avais donc j'ai toujours un PC puissant, hein, il a pas changé, ça reste le même. Mais si vous vouliez, si vous voulez, en fait, le truc, c'est que j'avais une télé de merde avant, et ça me dégoûtait de jouer à la console sur Xbox. Et oui, il m'en faut peu pour être dégoûté de jouer à la console sur Xbox. Mais maintenant, étant donné que j'ai une télé qui est quand même sacrément bien, je me suis racheté des jeux, comme par exemple Splinter Cell Conviction, hein, qui est d'ailleurs totalement à chier. Mais c'est... Alors, il est à chier, je suis fan de Splinter Cell. Hein. Venez pas me casser les couilles, oh, il est trop bien Splinter Cell Conviction, oh là là là. Non, Splinter Cell Conviction, je suis désolé, il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce que c'est pas un Splinter Cell. Splinter Cell Pandora Tomorrow, je crois que c'est un truc comme ça. Lui, c'était un grand Splinter Cell, c'était de la discrétion avant toute chose. Maintenant, Splinter Cell, tu peux marquer tes ennemis, faire des bullet time, les tuer. C'est pas du Splinter Cell pour moi, je suis désolé. T'as une scène, t'es en route, t'es en plein milieu d'Irak, et c'est un vulgaire jeu de tir. C'est pas normal. C'est pas du Splinter Cell pour moi, c'est un jeu... Enfin bon, quoi qu'il en soit, le jeu, tu peux y jouer un minimum discrètement quand t'es en mode difficulté extrême, mais c'est clair et net que les développeurs... Ils veulent vraiment forcer le côté action, parce qu'à des moments, tu peux rien faire en fait, t'as pas le choix, t'es obligé de tuer, tu vois, voilà. Ouais, très bien, très bien. Jack s'intéresse à une fille. Eh bien, mais c'est une... Elle travaille pour ces marchands. Ils ont essayé d'entrer en contact avec... Ça présente un léger problème. Jack n'a pas le droit de quitter Nélis. Je suppose que Jack mérite de connaître l'amour. Vous pouvez dire à Jack que nous la laisserons entrer, mais qu'il répondra d'elle. Ouais. Ne me faites pas regretter... Oh, ta gueule, vieille peau. Va crever. Dire à Jack que Jeannette s'intéresse à lui. Et où, Jack? Il est pas occupé à sauver le monde, Jack Bauer? Ouais, je sais, c'était nul. Faut juste que je trouve Jack maintenant, putain. Je sais pas où il est, Jack, putain, mais... Jack, Jack, où est-ce que t'es, Jack? C'est peut-être le robot, Jack. Hey, Jack. Il me semble qu'il est vers la base, vu qu'il regarde avec ses jumelles. Il me semble que c'est ça, en plus. Il me semble que Jack, c'est celui qui faisait la tour de Gay, qui... Alors, le mec, franchement, être amoureux d'un lézard, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, après, comme on dit, l'amour est aveugle. Tu peux être amoureux d'une personne... sans jamais l'avoir vu. Enfin, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Allez, on va aller voir ça de plus près. Je pense qu'il doit être vers là-bas, Jack. On va se remettre dans caméra 2. Ouais, maintenant je joue en troisième personne pour changer un petit peu. C'est lui, Jack? Non. Non. Non plus. Tiens, c'est lui. C'est lui. Ouais, c'est lui, il est blond. Enfin, il ressemble à un blond. S'il a une mèche et qui... Ouais, ça doit être un blond. Ouais. Hey, Jack. Pardon, mais j'ai des choses à faire. Ah, t'es... D'accord, excuse-moi. C'était une femme, autant pour moi. Autant pour moi, mais il est où, Jack? Putain, trouver Jack, ça va être un calvaire maintenant. Dire que Jack s'intéresse... Hop.
En fait, ils voulaient, les développeurs, à partir de ces coins de la carte, ils sont fait chier. Ils ont dit, on va faire un grand encart hyper grand, comme ça les gens ils se perdront dedans. Ah, et c'est là où tu vois que Fallout New Vegas, il a été quand même vachement moins travaillé que Fallout 3. Parce que je suis désolé, mais Fallout New Vegas, c'est un bon Fallout, je suis d'accord. Mais il reste quand même catastrophique dans le sens où... regardez, Fallout 3, vous avez pas de zone industrielle comme ça, aussi vide. Fallout 3, il y a de la vie tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que j'ai mon petit regret, c'est que j'aurais peut-être dû faire à la place mon let's play, entre guillemets. Hein, c'est pas vraiment un let's play, c'est plus une aventure. Une aventure sans sens, voilà, qui n'a pas de sens. C'est juste la promenade à l'état pur avec comme objectif faire la quête principale le plus vite possible. Ça a légèrement dévié, je pense. Hein, c'est plus vraiment faire la quête principale mon objectif. C'est juste essayer de trouver comment faire cette quête principale parce que je suis totalement perdu. Mais voilà, j'aurais peut-être dû le faire sur Fallout 3 parce que Fallout New Vegas est un peu chiant. Hein, un peu chiant. Et je me pose la question si je devrais pas migrer d'ailleurs immédiatement sur du Fallout New Vegas. Alors est-ce qu'il est bon? Lindsay? Ah mais c'est là où ils dorment les jeunes. Mini boomer. Non, Lindsay. Comme Lindsay Lohan. Oh, blague de merde. Bon. J'arrive pas à trouver les mecs. Tiens, la cadenne pour moi. Mon avis doit être là. Entre couilles. Oula. Stop. Boomer. Ah, ouais, putain. Pourquoi quand je rentre les gens ils sortent tous? Putain mais c'est incroyable. Mais est-ce que tu cours toi? J'ai pas réussi à le trouver, ça va m'énerver. Caserne pour femme, c'est pas une femme. Jack. Ah peut-être qu'il est dans l'usine. Ça ne m'étonnerait pas, voyez. C'est bon, elle est dans l'usine. Je suis totalement paumé, ça m'énerve. Après, dites-moi si vous voulez que je continue la série sur Fallout New Vegas ou que je migre sur Fallout 3. Dans tous les cas, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. C'est vous me dites, tout simplement, si vous voulez... parce que le problème de Fallout New Vegas, c'est que il est quand même vachement moins bien que Fallout 3. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai pas fait la série sur Fallout 3 à la... Je sais pas, peut-être parce que je l'avais pas acheté à l'époque. Ce qui m'étonne, puisque... Il me semble que j'avais acheté les deux en même temps. Mais si vous voulez que je migre pour le prochain épisode sur Fallout 3, dites-le moi parce que j'ai l'impression qu'on va vite se retrouver bloqué sur Fallout New Vegas. Et ça a tendance à m'énerver. Ou si vous voulez que j'arrête la série sur Fallout New Vegas, dites-le moi. Dites-le moi, moi ça me dérange pas. Hein. Est-ce que t'es là, Jack? Putain. Salut. Boomer. Chef boomer. Oh attention, c'est le chef boomer. Un petit creux. Oh, un bon décro. Oh. Non. Au revoir. Où est-ce qu'il est, Jack? Putain. C'est ça que je reproche au jeu, c'est que t'arrives pas à trouver les gens. Putain. Il est où cet enculé? Je suis désolé, mais ça me gave en fait. Ça me gave pas dans le sens de faire la vidéo, mais ça me gave dans le sens où j'arrive pas à trouver l'autre. Putain. Quel calvaire. Peut-être vers le hangar, il est. Jack. Il y a rien au hangar où il y a des gens ici? Ah. Ah. Ah bah te voilà, je crois que c'est toi, Jack. Oui. Vous l'avez vu? La rousse de mes rêves. Ouais, t'as des goûts de merde quand même. Hein. Bonne nouvelle, elle partage vos sentiments. C'est vrai? Vous vous fichez pas de moi? C'est rien. Bon, et maintenant? Elle peut venir ici? Comment être sûr qu'elle va pas se faire tuer? Il faut que j'en parle au... Prenez cette tenue de boomer. Je dirai au tireur qu'elle va venir et qu'il faut pas lui tirer dessus. Ok. Putain, je suis vraiment un mec gentil quand même. Hein. Tu me l'as passé la tenue là ou... Tu me l'as pas passé la tenue mec. Oh, fauteur de troupe, c'est pas mal aussi.
Bon, on va rester en fauteur de trouble. Ça fait genre plus classe. Non mais par contre, pour être sincère, il m'a vraiment pas passé la tenue. Bon, je m'en bats les couilles, écoutez. Ah, peut-être qu'il faut que je la donne à l'autre. À la Rookmout, là. Crimson Caravan, hop. Ouais, peut-être qu'il faut que je fasse ça. On va voir. On va voir. Elle doit être là-dedans, je pense. Tiens, il y a la Rookmout. Ouais, je sais, je suis méchant avec les roues, blablabla. Je vois, alors, pour ceux qui ne savent pas, dans ma team, on a un roux. Rebonjour. Comment va votre ami le boomer? Ouais. C'est ce que j'espérais. Qu'est-ce que ça donne? Ils ont accepté de me laisser venir sans me tirer dessus. Il y a autre chose. J'ai un contrat de travail avec la Crimson Caravan. Et si je m'en vais, je perds l'argent qu'ils me doivent. Vous pourriez me rendre service et en parler à Alice McLaferty. Si je lui demande, elle refusera. Et j'ai pas envie de perdre cet argent. Putain. Sac à foutre. Bon. On va aller parler avec l'autre vieille peau, là. Elle doit se cacher quelque part. Elle est où, cette merdeuse, là? Ouais, donc on a un roux dans la team, hein, donc ça sert à rien de venir me dire « Ouais, t'as un problème contre les roux ?» Non, c'est juste de l'humour, on apprécie pas. Moi, j'ai de tous les humours, j'ai de l'humour noir, de l'humour blanc, de l'humour juif. Je suis vraiment pas là pour me prendre la tête. Hé, hey, feignant, tu te réveilles? Je suis vraiment pas là pour me prendre la tête. Elle est où, l'autre? Elle est pas dans les chiottes, à mon avis. Heureusement que je te réveille, hein, parce que putain, tu serais pas allé travailler, sinon. Et voilà, c'est de l'humour, si vous acceptez pas, comme je dis, partez, dégagez. Vous vous retiens pas? Ah, voilà. Vous revoilà? Ouais, ah, bien sûr. Janet m'a demandé d'étudier, mais où elle voudrait être libérée de son contrat? Ah oui, elle s'est entichée d'un boomer qu'elle n'a jamais rencontré. C'est un petit campement, les ragots circulent vite. Elle sait qu'elle rompt son contrat, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'elle vous envoie au lieu de venir me voir elle-même. Ouais, c'est ça. Janet est libre de partir, mais elle renonce en même temps aux salaires qui lui sont dus. C'est le prix de la rupture, c'est à prendre ou à laisser. Il va falloir trouver mieux que ça. On raconte que j'ai un cœur de pierre. Figurez-vous. La Crimson Caravan Company a besoin d'employés dignes de confiance. Je ne vais pas rater. Prenez le temps qu'il vous faudra. Bon, on va accepter. Ça fait plaisir. Ouais, vieille pauvre, vieille putain. Bon, allez, on y va. Ah, même si j'aime pas la Rookmout avec sa gueule de lézard, voilà, j'apprécie pas ce qu'elle a fait l'autre. Vous avez déjà parlé à Maclaire? Ah ouais, elle accepte pas. Je vois. Eh bien, merci d'avoir essayé. Je vais aller... Attends, je viens avec toi. Je viens avec toi. 34. Ah, comme Montpellier. Oh, comme le département de l'Hérault. Oh là là, c'est drôle. Elle est où, l'autre? Ah, là-bas. Allez, je t'accompagne, comme ça je pourrais te protéger si jamais tu te fais attaquer. Elle court vite, elle. Ouais, comme ça, ça fait bien. Ça fait genre le mec... Ouais, là, il a de la gueule, là. Il faudrait plus que je retrouve Raoul. Par contre, c'est bizarre ce qu'il a sur les cuisses. Il a un holster sans un holster, en fait. C'est... Alors, un holster, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Elle est où? C'est tout simplement, vous avez un pistolet, vous le mettez dans un holster. C'est tout simplement le truc qui permet de tenir le pistolet. Eh bien, vous avez différents holsters. Ah bah oui, hein, connaissance. Le holster de cuisse, le holster de ventre, hein, vous mettez, vous savez, comme dans les films, genre des bretelles. Et le holster de ceinture. Ah voilà, ouais, je sais, je m'y connais, mais c'est parce que je fais de l'airsoft et tout. T'as vu, toi-même, tu sais. Sujet de merde. On s'en bat les couilles. Ouais, je sais. Et hop, on va y aller. Je l'accompagne, parce que si jamais elle s'est attaquée, qu'elle aille pas se faire violer ou tuer. Ou je sais trop quel délire. Par ces gens bizarres. Vous êtes gentil ou pas? On dit Camille. Que la Légion fait venir des vétérans de l'Arizona. Il doit se préparer à attaquer. Ouais, bien sûr. Bon, on l'accompagne.
Normalement, il ne tire pas dessus, moi. Non, tu peux pas. T'es un peu bête quand même, hein. T'es un petit peu conne quand même, hein. Disons ce qu'il en est. Bon. Vous inquiétez pas, ça va y aller. Normalement, elle va pas se faire tuer, je pense. Il y a un drôle de bruit. Bon. On va voir ce qui va se passer, si elle va se faire tuer ou pas. Putain, tu prends vraiment des chemins de merde, toi. Ça, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Putain, elle s'arrête en plein milieu, c'est à moitié débile. Elle sait où aller, hein. Elle sait où aller pour trouver le mec, hein. Elle est forte, la Jeannette. Ah. Mon personnage, il fait un peu gros, quand même, hein. Ah, elle est partie là-bas. Putain, ils sont sportifs, les mecs, hein. Faire un footing de là où aller jusqu'à là-bas, c'est qu'elle doit être vraiment amoureuse, hein. Ah, moi, elle doit être vraiment con pour les suivre aussi, hein. C'est qu'après j'ai la flemme de la retrouver, t'sais. Je vais me paumer encore là, devoir chercher pendant une plombe. Ça va m'énerver. Alors j'ai des gens qui me demandent de jouer à des jeux de gestion aussi. Ouais. Je sais. Merci de m'avoir amené ici. Jack est quelqu'un de bien. Merci d'avoir amené Janet à Nellis. J'ai jamais été aussi heureux toute ma vie. Oh, oh, oh. Ah, ça y est. Comme je l'ai dit, je suis toujours preneur de ferraille. Cool. Combien vous pouvez... N'allez pas. Et qu'est-ce que vous allez faire là? Allez, cours, chienne. Attends, où est-ce qu'elle va? Les choses deviennent de plus en plus étranges de jour en jour. Oui, tais-toi, mais... Bon, je vous laisse, excusez-moi. Ils vont baiser. Ils vont baiser. Allez, fais pas ta timide. Toi aussi, fais pas ton timide. Bon, ça aurait été mieux dans l'autre position, mais... Bon, bon écoute, c'est nia débile. Peut-être qu'il faudrait... Enfin, là, apparemment, il y a 5 sur 5 pour les quêtes, donc on va retourner voir... On va retourner voir la vieille, on va voir ce que... Si elle me dit, ouais, écoutez, je peux vous aider, blablabla, blablabla. On va voir, on va voir, on va voir. Parce qu'à vrai dire, la quête principale, elle est un petit peu bloquée. Un petit peu beaucoup même, hein. Je suis un petit peu beaucoup bloqué à la quête principale. Et c'est pas évident. Merde, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me... Attendez, hop. Le chronomètre, on revient dessus, voilà. Où est-ce qu'elle est l'autre? Putain, elle est où la vieille peau là? Vers là, je pense. Ah bah non, elle est dans le même bâtiment. Ah ouais, c'est vrai. Elle peut pas bouger, elle est trop vieille. Ah. Ah bah. En plus, à mon avis, elle doit avoir un moitié Alzheimer, c'est... Elle se demande où est-ce qu'elle est à chaque fois. Mais où est-ce que je suis ici? Bah t'es chez toi, grand-mère. Oh, oh, oh. Mais où est-ce que je suis ici? Bah t'es encore chez toi. Oh, bah je suis toujours ici. Oh, mais où est-ce que je suis ici? Ah là là, Alzheimer. Comment se passe votre séjour? Bien. Dites-moi, que pensent de moi vos gens? J'ai peut-être entendu un ou deux compliments, mais... C'est tout? J'ai peut-être entendu un... Tu vas me le payer? Quand tu vas me le payer, toi? Toi, tu vas me le payer. Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode. Je pense que c'est largement suffisant. On se retrouve très bientôt pour la suite. Dites-moi si vous voulez que je continue sur Fallout New Vegas ou sur Fallout 3. Vous êtes
maître des cartes, Blade, Pokémon, tout ce que tu veux. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao tout le monde, c'était moi pour vous, ciao.